Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode numéro 18 des couleurs classe sur GTA 5. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais Virtus, comment ça se fait que ton personnage s'est transformé? Eh bah oui, j'ai dû tout simplement laisser mon corps transparent avec mon caleçon rose, noir avec des petits cœurs au placard pour le transformer tout simplement en personnage mode SWAT. Donc si jamais vous voulez cette tenue, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma chaîne afin d'aller voir ma vidéo où je présente tout simplement cette petite tenue qui est vraiment très très sympa. Donc là elle est pas en entière, il manque le casque, mais je l'ai pas mis hein, parce que j'ai à chaque fois il faut le refaire et tout. Bref, donc pour cet épisode j'ai trois voitures à vous proposer qui sont juste devant. En plus il y a le soleil, c'est juste beautiful. Donc une couleur qui s'appelle la couleur nautique qui a été trouvée par Nautique. On n'a pas vraiment de couleur de nom pour cette couleur. Donc c'est un peu du marron vert, mais vous allez voir que dans le Los Santos Custom la couleur rend beaucoup mieux. On a la couleur romaine qui a été trouvée par moi-même. Pourquoi romaine? Tout simplement, vous allez le voir dans le LSC, mais tout simplement cette couleur me fait trop penser aux Romains. Je sais pas pourquoi, ça doit me faire penser aux tours, les piliers, etc. Et la couleur vodka à peu près, si on peut se permettre de dire ça, c'est assez bizarre. Couleur vodka qui a été trouvée par moi-même, mais cette voiture est dirigée par Mamou du 95, on lui fait une petite dédicace. Donc on va tout simplement se rendre au Los Santos Custom et on va directement y aller. Donc on va éviter de casser la voiture. En attendant, moi je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Et pourquoi pas aussi, allez vous abonner à la chaîne 100% course qui sera dans la description et en annotation. On vient de passer la barre des 2250 abonnés, c'est énorme. Merci à vous d'être actifs, franchement merci beaucoup. Donc on va se rendre tout simplement dans le LSC sans abîmer la voiture. Hop. Et on va tout simplement commencer par la couleur de Nautique, donc la couleur vert, marron, vert bizarre. Donc, what, elle était abîmée, enfin bref. Donc pour la couleur, vous allez simplement vous rendre dans l'espace peinture, couleur principale métallisée, et vous allez tout simplement chercher le brun bison qui se trouve juste ici. Donc vous prenez ce brun bison qui est pas très beau, et vous allez tout simplement associer un vert pétrole nacré à cette couleur. Donc le vert pétrole qui se trouve un peu plus en haut, voilà ici. Donc vous y collez un vert pétrole, donc on voit déjà que l'effet est déjà beaucoup mieux que quand je vous l'ai montré juste avant. Donc vert pétrole, et en couleur secondaire métallisée, vous allez simplement mettre un vert pétrole aussi. Après si vous voulez mettre autre chose, libre de vous, hein, vous pouvez mettre un bleu, vous pouvez mettre un blanc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vous donne des idées, après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc vous mettez votre vert pétrole et après vous avez la voiture Nautique. Et pour la couleur des jantes, vous allez simplement voir dans couleur des jantes et vous allez devoir coller la, la couleur ivoire, donc la ivoire sombre qui se trouve juste ici. Et après vous avez votre couleur Nautique. Donc pour la couleur Nautique, vous voterez 1 dans l'espace commentaire. Comme d'habitude on fait le petit vote hein, comme d'habitude. Et pour la couleur, maintenant on va passer à la couleur vodka et on gardera la couleur romaine pour la fin car c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà. Donc pour cette couleur vodka, vous allez simplement vous rendre dans métallisé, mettre du jeu du métallisé argent bleuté. Une fois que cet argent bleuté est mis, vous allez simplement vous rendre dans nacré et mettre un bleu ultra, donc qui se trouve juste ici, non pas bleu racing, bleu ultra. Et en couleur secondaire, vous allez aller dans mat et vous allez simplement mettre une couleur vert forêt. Et après vous allez simplement votre couleur vodka. Et pour la couleur des roues, vous allez simplement vous rendre dans couleur des roues et mettre la couleur qui se trouve juste en bas. Donc voilà, le bleu layette. Et après, vous avez tout simplement votre couleur vodka. Donc là, je sais que ça ressemble pas vraiment à de la vodka parce que la vodka, c'est transparent, etc. Mais ça y fait un peu penser avec son effet un peu bleu, transparent, bizarre. Et du coup, voilà. Donc pour cette couleur, vous voterez 2 dans l'espace commentaire. Maintenant, on va terminer avec le meilleur pour la fin, pour la couleur romaine. Vous allez simplement vous rendre dans métallisé, aller chercher la couleur crème qui se trouve juste ici, donc 73 sur 75. Et une fois que cette couleur crème est placée, vous allez simplement placer un beau et un joli jaune racing en nacré, donc qui se trouve juste ici. Donc on voit déjà que l'effet est
magnifique. Donc vous placez votre jaune racing et en couleur secondaire vous allez vous rendre dans mat et tout simplement placer un vert olive ou un vert feuillage selon vos choix. Après si vous voulez plus clair ou plus foncé, personnellement moi je vais prendre le vert olive. Et après dans la couleur des jantes vous allez tout simplement mettre la couleur qui se trouvait juste en haut. Donc la couleur, non on l'a passé. Voilà, cette couleur, donc la couleur brun paille, vous l'achetez, vous la customisez et après vous avez votre couleur romaine si je puis me permettre et vous voterez 3 dans l'espace commentaire pour cette magnifique couleur. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. On approche très rapidement de l'épisode 20, donc qui sera dans 2 semaines. Donc l'épisode bonus, ce sera un top 10 des couleurs de la communauté. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de partager, de lâcher un petit like et un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. On se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.